Aujourd'hui, je vous présenterai un tutoriel pour comment installer Call of Duty Modern Warfare 3 sur votre PC gratuitement, non Steam, avec le multi et le solo intégré, mais en anglais, malheureusement. Mais c'est pas trop grave, ça change presque rien. Premièrement, vous devez aller sur un site, mais je vais vous mettre dans la description, bien sûr. Call of Duty Modern Warfare 3 Full Game. Là, vous devez vous downloader ça. Ouais, c'est la version 1.4. 3.8.2. Normalement, il y a des patchs, mais aussi si vous n'avez pas ces logiciels-là, vous devez les installer. Ça aussi, pour changer de nom, mais on va voir ça après. Bon, ok. Moi, j'ai déjà installé. Ben, j'ai déjà téléchargé ça. Fait que je vais pas le télécharger, mais je vais juste montrer où est-ce que ça amène, puis comment faire. Pour être sûr que vous compreniez bien. Ah oui, c'est par torrent le download, c'est 14 Go. Là, vous faites slow. Là, ça attend 30 secondes. Quand ça sera prêt, 30 secondes, je vais le remettre. Ok, ce sera pas long. Ok, ben, les secondes sont écoulées, fait que là, il faut écrire ça. Comme mettons. Bon, ok, ouais, il y a souvent d'autres liens. Des publicités. Times. Square. Pardon. C'est comme ça, ok. Faites send et ensuite vous seulement appuyez là. Bon, ok. Bon, ça, on va quitter ça. Ok, maintenant, quand vous le téléchargez, ben normalement, téléchargement, je sais pas si il est encore. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc là, vous ouvrez torrent, tout BitTorrent, ben c'est la même chose. Ensuite, vous downloadez. Moi, j'ai déjà installé, fait que. C'est correct. Ensuite, vous avez ce dossier-là. Là, je vais l'installer pour vous montrer. Je n'ai pas encore installé. Lisez-moi en premier. Faut juste ouvrir le premier. Ah, aussi, faut pas avoir Steam d'ouvert quand vous jouez à ce jeu-là. C'est très important. Parce que sinon, ça peut te faire bugger. Comme je vous le dis, c'est 14 Go, mais ah aussi, je vous dis que ça marche parce que j'avais déjà installé avant, mais je l'avais désinstallé parce que moi j'ai l'officiel aussi, mais je me suis fait bannir. C'est pour ça que ça me tente de jouer à encore. Je pense seul sur ce site-là, Aviara, justement sur le site Aviara. C'est comme il y a plein d'autres jeux. Je vais vous mettre le lien, il y aura le lien dans la description. Vous pourrez les downloader. Ok, là ça prend un peu de temps. Je vais le remettre quand ça va recommencer. Bon, ok, ben là c'est apparu. Next. Next. Ben ça, vous le mettez où ce que vous voulez. Moi je le mets à Aviara Community parce que j'ai déjà d'autres jeux là-dedans. Ouais. Next, install. Bon, ok, je vous le remets quand ce sera installé parce que ça prend quand même du temps, c'est quand même 14 Go. Puis ça, c'est parce que on les installe pas ces 4 do dossiers-là parce que comme ça, c'est pour les décompresser. Ouais, ben. Bon, je remets la vidéo quand ça va être terminé. Ok. Bon, ok, maintenant c'est terminé. Je vais ôter le launch parce que. Moi je peux pas, ça va pas visionner avec Fraps là. Fait que je vais remettre la vidéo en jeu. Ok, ce sera pas. Bon, ok, je suis pas encore en jeu, mais regardez ça. Ben, ça c'est. Quand je ferais ça. Ah oui. Ben, ça c'est le truc pour l'inventaire single player, multijoueur, setting, plein de trucs comme ça. Ah oui. Comme là c'est notre nom. Et vidéo Excel. FOV, ça je sais pas. Ok, je vais starter puis. Bon, ok, là je suis dans le jeu, regarde, je vais 3. Play, comme là vous voyez mon nom, je suis niveau 1. Crossing, tout. Puis si vous voulez jouer, vous devez aller dans le serveur. Vous pouvez pas aller dans d'autres trucs. Sinon ça va pas marcher, pantoute. Comme vous voyez, il y a vraiment pas mal de serveurs. Comment vous avez vu, il y en a pour toutes les pignes, vraiment, et ça vaut vraiment la peine.
En plus, vous pouvez créer votre propre serveur. Ok. Ben, ça va être fin de la vidéo. Merci, au revoir.